Voilà, c'est moche, c'est qu'un chagrin. Mais pas drôle. Mais non, c'est pas drôle. C'est mignon. Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que je vais montrer le réel que je voulais faire avec toi? Ah! Oh, je pose la question. On peut pas poser la question. Je t'ai pris un pain au lait. Oh, c'est mignon. Je sais que tu manges pas le matin, mais je me suis dit, quand elle aura sa petite fringale. Oh, c'est gentil. Avec une heure de retard, nous voilà. We are here. Yeah. Allez. Merci Titi de venir vers moi. Oh waouh, après le bonnet, les chaussettes. Nous commençons la journée avec une heure de retard. Ouais. Alors là, heureusement on a Fatah qui hein. À tout le monde. Je dirais pas le nom. Alors excusez, moi j'étais à l'heure en fait. Ouais. Maquillée, préparée, coiffée. Hein. Bah, moi j'ai toujours mes 10 minutes de retard, c'est important. Oui, c'est un petit rituel. Important. Ouais, c'est le quart d'heure de politesse. Exactement. Pas du tout. C'est le quart d'heure d'entrée. Go. Coucou chouchou. Celui-là. Oh, ouais, non, mais il a trop... Coucou, minounet. En chantier. Salut, David. On se revoit. Hein. Pourquoi je fais des blagues nulles à chaque fois? Tout le monde se pose cette question. Je pense que plus personne ne peut me voir tellement je fais des blagues trop nulles. On est les rejetés, blagués. Voilà, on a déjà une femme. Ah, mais moi, depuis longtemps. Hein. Enfin, il s'est refait la face, par contre. Regardez-la rêver. Ah, ouais. Ah non, mais c'est vrai, c'est vraiment genre pour moi le poney parfait. Peau de colle, veut toujours de l'attention. Le poney idéal selon Maëlle. Exactement. Un poney qui me bouscule un peu, quoi. Tiens, en parlant de ça, attention. Moi j'ai une question à vous poser. Je vais vous la poser chacune à votre tour au long de la journée. Ça arrivera tout au long de la journée, d'accord? Et il faudra me la poser à moi aussi, d'accord? Ok, c'est quoi la question? Maëlle. Je chante bien. Oui. Tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans. En vrai, je sais. Ah, je le sais. Moi, je le sais. Allez. Je me vois épanouie dans mon métier et j'ai un projet que j'aimerais faire avec toi plus tard si jamais que ce j'ai sera assez, notre projet. Oh, putain, attends, je découvre des trucs. Non, mais je me dis, tu vois, si j'ai assez d'argent, on va pouvoir participer à ton écurie. Voilà, avoir mon cheval, qu'on fasse des trucs ensemble, qu'on balade des concours et tout. Mais il faut des thunes! Putain, je suis trop émue en fait, genre vas-y, ça me touche de ouf! Et avec Mathilde, il donnera des cours pour les enfants, on aura un petit élevage de Shetland. Ah oui, des Shetland avec des laclages. Oh oui! Voilà. Et moi, je me chargerai de fournir les thunes! La banque! C'est ça. Non, mais j'aimerais bien dans 10 ans toujours avoir ce groupe d'amis, ce petit trio. Ouais, j'aime bien. En vrai, j'en ai toujours rêvé. Oh, princesse Marie. Je te touche pas trop parce que si, ça va. Non, mais j'en ai toujours rêvé quand j'étais petite d'avoir un trio d'amis aux écuries. Et c'est, je trouve ça. Hello, c'est déjà ouais, c'est vraiment un peu le... Non, mais vraiment, premier degré, pour moi, ça serait mon rêve. Voilà. Non, trop mignon. Voilà. Superbe. Parce que, pour information, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Ah, vous êtes pas au courant? Non. Mais si, vous êtes au courant. Aujourd'hui, on fête la réussite de Maëlle quand même. Ah oui, pardon. Ah mais oui. Maëlle, tu peux nous dire. Oui. Tu peux nous dire. Alors, j'ai. Attends, la... je... je suis très heureuse de vous annoncer que je pars dans un mois. Vous verrez moi. Petite larme. Pour des raisons de vie privée, ce passage a été coupé. Désolée. Donc je réalise mon rêve et je suis très heureuse d'avoir été prise là-bas. Et franchement, elle a, comment on dit ça? Ah, ça y est, je suis perdue. Oui. Non, mais elle a trop géré. Genre c'était son rêve. Elle s'est dit vas-y, j'y vais, go. Et puis et elle a tout donné. Elle a juste les épreuves. Les gens qui réalisent leurs rêves, voilà, et qui en chient tous les jours. Et je me suis dit bah pourquoi pas moi. Léa, mon mentor. Bah Mathilde, tu vas où? Réfléchis. La question te sera posée aussi. Ouais, mais mec, moi j'ai aucune idée. Voilà. Plus tard. Chaque chose en son temps. On dirait une maîtresse d'école avec ses fiches. Chut, on va procéder à la lecture. Chut, qu'est-ce que j'ai dit? Bon bref, aujourd'hui du coup, petite journée... Oh mais mon poney! Aujourd'hui du coup, petite journée un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui, on va fêter le fait que, bah, finalement, on grandit. Ouais,
C'est vrai, hein. Parce que j'ai connu Léa pendant ma licence 3. Non, mon master. T'es où? Ah, t'es là. Vous êtes là. J'ai connu Léa pendant mon master 1. Donc, effectivement, on a grandi ensemble et c'est ça qui est beau. Réaliser nos projets. J'ai vu les déménagements des poneys, les poulains grandir. Oh, le nombre de déménagements. En vrai, on a été perdus dans nos vies beaucoup trop longtemps. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler un peu de ça. Ah, voilà. Allez, à tout à l'heure. La maltraitance. Oui, bien sûr. Qui a défoncé? Si, Maëlle. Mais c'était pour la clôture cassée. Ah oui, bon ça. Non. Oh, bah. Merci Blacky quoi. Non, en vrai c'est un peu de la faute de mon poney. Allez Zou, le petit poney. Ah tu m'attends, pardon. Attends. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Merci. Enfin, aimable. Vous êtes très aimable, ma petite dame. Avec grand plaisir, madame. J'ai rencontré Maëlle à une période de ma vie où j'étais complètement perdue. À l'époque, je ne savais qu'une chose. J'étais heureuse, entourée de mes animaux, et j'étais passionnée par la vidéo. C'était super important pour moi de partager et d'apporter quelque chose aux autres, mais mon avenir me semblait tellement incertain parfois. On m'a toujours dit de ne pas mélanger travail et passion. On m'a toujours mis en garde sur mes choix professionnels, à tel point que j'ai fini par douter de ce dont j'étais le plus sûre dans ma vie. Je voulais passer ma vie avec mes animaux et partager cette passion autour de moi. Aujourd'hui, j'avais envie de fêter la réussite de Maëlle. Elle ne m'avait jamais parlé de son rêve, de ce qu'elle voulait vraiment faire. C'est comme si elle s'était réveillée d'un coup. Comme si elle venait de comprendre que c'était vraiment vers ça qu'elle voulait se tourner. Comme si d'un coup, ça devenait une évidence. Quand on s'est rencontrés, on était toutes les deux paumées. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, on a évolué. Que notre avenir nous semble plus aussi flou, malgré les années à douter. Au fond, on savait toutes les deux déjà très bien ce qu'on voulait faire depuis des années. On avait juste besoin de temps pour le comprendre et se faire confiance. Parfois, il suffit juste de savoir prendre le temps. Ah ouais? Bah ouais! Qu'est-ce qui pourrait arriver d'horrible? Oh, je... Blacky peut foncer dans les clôtures. Après, c'est en bois là, c'est bien. Ouais, sauf le. Je me mettrai entre. La barrière, on peut je barrière. Serai le bois. Bon, c'est bien! Bon, ça y est, la séance avec Anakin est terminée. Il était très calme. Je pense que ça le fatigue, l'arrivée de Blacky et tout. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre tous les deux dans la carrière. Pour qu'ils soient un petit peu dans un environnement neutre. Pour qu'ils puissent, voilà, se sentir et tout sans qu'on ait l'hélicole, enfin, sans qu'on les tienne et tout. Donc on va faire ça. Dès que Maëlle aura fini de brosser Blacky. Non. Dès que Maëlle aura fini de lui user les poils. Je t'aime, Maëlle. Je t'écoute pas. T'as bientôt fini? Oui. Non, 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 panique, 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 panique. Bon, comme vous avez pu le voir, puisque normalement j'ai filmé, Blacky, malheureusement, a sauté dans les clôtures. Voilà, il a vraiment peur, mais bah du coup en fait quand il se met dans tous ses états, il réfléchit plus.
Donc là, il a sauté la barrière. En vrai, c'est ma faute. Hein. Je voyais bien qu'il avait peur et tout. Et en fait, je voulais juste qu'il arrête de fuir. Juste même qu'il se sente juste une fois en liberté, en fait. Le problème, c'est que Blacky, dès qu'il a peur, il fuit. Bah, après, normal. Hein. Recule. Il fuit jusqu'à ce que bah on lui foute la paix. Donc du coup, bref, il est passé dans les clôtures. Moi, j'ai réagi très vite pour récupérer Anakin parce qu'il faut surtout pas qu'Anakin sorte. Parce que là, ça aurait été une pagaille de fou puisqu'il est entier, il aurait énervé tous les chevaux et tout. Il serait venu sentir les chevaux, enfin les autres chevaux et tout. Enfin bref, pas possible. Mais là, les filles ont récupéré Blacky, donc tout va bien. Pff, oh, j'ai eu peur. J'ai eu un peu peur. Puis là, non mais là, Blacky, il est flippé. Il a peur des autres chevaux et tout. Vous faites une bonne balade ? Ouais, c'est sympa. J'ai pas pris la bonne longe, mais j'en ai pris une au moins. C'est déjà ça. Allez, go. Bah tiens, je vais prendre pour Jenny, du coup. C'est toi qui as dit, hein. Take it easy again, my friend. Do you remember you tried to spend? Look into the mirror because it feels like you're home. J'ai réveillé, j'ai réveillé, ah, j'ai réveillé le chien. Ah, le chien, il est réveillé. Reviens, tu es mort, le chien. On a besoin de toi. Non, il est mort, ça peut être dans un rap. Oh là là, tu es mort. Vous voulez pas aller manger? Mathilde, oui. Tu te vois où dans 10 ans? En vrai, j'en ai aucune idée, genre c'est chaud. T'es perdue? Ouais. C'est vrai que je pense que c'est pas le bon moment où faut me demander ce genre de choses. Déjà, je sais pas ce que je fais demain. Ah. Donc dans 10 ans... Qu'est-ce que t'aimerais? Ouais, si tu t'imagines ta vie. Genre, si je dois m'imaginer genre The Life, tu vois, genre mariée avec un ou deux enfants, dans une petite maison genre de campagne, tu sais, genre ancienne ferme, un peu genre pierre apparente, avec un pré derrière où il y a mes petits chevaux. Bah, genre, bien sûr. Évidemment. Et dans une structure équestre où en fait... Ton travail, cheval, tu parles ? Ouais. Ok. Dans mon travail, dans une structure où le cheval et l'humain sont compris. Dans le sens où, oui, il y a un respect du cheval, mais il y a aussi un respect humain en face, qui est genre chaque travail est respecté, chaque personne est respectée, même si on n'a pas forcément les mêmes avis. On peut travailler dans la même structure et évoluer vers quelque chose de mieux. Comme ma structure, finalement. Je me vois chez toi, en fait. Bien, je voulais pas te le dire. Voilà. C'est pas beau ça. Et bah voilà, bah tu vois, tu sais très bien où tu veux aller. Mais qu'est-ce que. En gros, c'est genre l'idéal de ouf, tu vois. Bah c'est très bien d'avoir un idéal. Moi, tu sais, mon idéal c'était d'avoir mes écuries hein, et de travailler sur YouTube en plus. Donc. Bah, bénéf quoi. Donc, l'idéal, il faut essayer de s'en rapprocher quoi. Voilà. Mais bon. C'est très beau, la petite maison et tout. Ouais. Bah oui, mais moi, ma petite maison en pierre, je la vois déjà comme si je l'avais déjà. Et ça, avec le petit parking devant pour garer ton auto, avec le camion de chevaux à côté. Nickel. Évidemment avec les couleurs de... Très bien, parfait. Et maintenant, nous allons manger. Non, faut poser ta... Ah non, on posera ta question après. C'est après. Oh là là là. Ah, je suis mal critiquée là. C'est vraiment la mascotte, hein. Oh, cette petite nounou. Mathilde, elle en est folle. Oh, oui. On est arrivé auprès des petits poneys. Oh, les petits choux. Non mais... Ah, oula. Bah elle, t'aurais pu ouvrir. Même pas ouvert le cadenas, quoi. Elle est passée entre les blancs. Tu me le demandes et puis c'est le même code téléphone. 653. Non, c'est vraiment pas ça. N'essayez pas, les gens qui passent devant. N'essayez pas. Oh, mais la petite tête de rajout, oula, qu'est-ce qui se passe? Coucou mon chouchou, ça va? Oh. Ça va mon chouchou? Trop le préf. Mon dieu, coucou Lily. Coucou Lightning. Bon, du coup, les petits poneys vont bien. Ce qu'on va faire cet après-midi, c'est qu'on va juste habituer un petit peu Mirac et Murphy au licol, comme ce qu'on fait depuis quelques temps déjà. Et vous allez voir, maintenant je fais ça au cliqueur. Maman de tirage. Je fais ça au cliqueur, donc voilà. On va leur faire un petit peu ça, et puis ce sera déjà bien. Hein, les petits chouchous, puis peut-être un petit pansage pour ceux qui veulent. Qui veut panser les poneys? Moi je veux. Allez, on va aller chercher des brosses, Maëlle. Oui. Mathilde, tu veux panser les poneys aussi? Oui. Tu veux quel poney? Le piti. Le piti, lequel? Le piti.
Murphy's. Maë, tu viens chercher tes brosses, hein? Ah, mais bah, c'est chacun son tour. Ah, je vais pas te les emmener, hein. Tu t'occupes de ton poney, tu t'occupes de tes broches. Là, tu peux la sortir, la caisse. T'es pas obligé d'être aussi perso, hein. Ah, c'est mais, même pas la mienne, en plus. Non, c'est pas la tienne. C'est là, les brosses, Maëlle. C'est dans le sauveur. Mais je c'est pensais dans que le sauveur. C'était ma caisse. Ben non, ta caisse, elle est pas là. J'ai pas compris. Le sauveur. En face de toi, Maëlle. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Ah. T'as de la chance que c'est ça qui me stoppe. Parce que là, je suis à deux doigts de... Ok. Je prends une brosse. Ah, mais tu peux y arriver. Hé Walton Bueno. Qu'est-ce que c'est? C'est une étrie américaine. Ouais. Voilà. T'apprends tes brosses. Ça s'appelle pas. Comment Une étrie finlandaise. Et toi, Maëlle, tu as pris quoi? Un bouchon. Oui. Oh, il écrase bien. Ah oui, il écrase pas. Bon, bah moi, je vais prendre... Tu veux pas un licol pour habituer Murphy, toi? Tant qu'à faire, là. On va prendre les licols. Hop. Le petit licol de Murphy. Attrape. Oh my god, you know what I want. You know that you got me, yeah, you got my heart. Come to me as low for me towards me, yeah. I'm following you, take me up into the sky. Vous êtes mignon. Tu touches? T'imagines, il y a des poulains à cet âge-là, ils sont déjà sevrés. Tu touches? Ils sont déjà sevrés et tout. Genre, moi, je le verrais tellement pas sevré celui-là. Je trouve qu'il fait encore tellement bébé. Ouais. Après, il est super tard aussi. Enfin, il... Ouais, mais t'as des élevages, ils sèvrent tout le monde en même temps. En même temps. Ouais. Et puis, c'est, t'as compris, hein. On passe. Je le pensais plus craintif que ça, tu vois. Parce que pour le coup, Murphy, il est vraiment complexe dans sa manière d'être approché. Ouais, le... Alors que lui, en fait, il suffit de quelques encouragements et... C'est bien, mon joujou. Mmh, c'est bon, tout ça. C'est pas ce poids. Je peux pas faire plus pour aujourd'hui. Oh, c'est déjà bien. Hein. C'est très bien, mon joujou. C'est très, très bien. C'est un grand sensible, hein. C'est fou. Hein. C'est bien. Et on va voir Murphy, maintenant. Tu touches? Elle est embêtante, l'autre à côté. Tu touches? J'ai failli partir avec la gueule. Bah non, pas à côté. Ça va? On vous dérange pas? C'est bien, chouchou. Mais. Et vous faites quoi avec mon bébé en fait là? C'est mon bébé? Tu filmes mon bébé? Moi je peux être sur la vidéo aussi. Non, tu passes? Tu passes? Non, c'est pas mes. Tu passes? Oui, joujou, tiens. C'est bien ça. Bon, après, je pense qu'il faut vraiment y aller étape par étape. C'est bien. Regarde-la comme elle abuse, elle. Bon, du coup, ça y est, c'est la fin de la vidéo. Non, j'ai plus de batterie. Non, ce n'est pas la fin. Quoi? Et toi, dans 10 ans? Ah oui, c'est vrai. Moi, dans 10 ans, en vrai, j'ai même pas réfléchi vraiment à la question. À d'autres. Alors, je te jure. En vrai, je me vois grave toujours à créer, que ce soit sur YouTube ou une autre plateforme, peut-être plus tard, on sait pas. Partager sur mes petits animaux, toujours avec mes chevaux. Mon projet d'écurie. Mon projet d'écurie qui marchera. Et je me vois grave, aujourd'hui c'est comme ça que je vois, je me vois grave racheter l'écurie, celle-là ou une autre, y faire construire ma maison. Moi je veux trouver une maison en bois, voilà, petite maison en bois. Et j'avoue, plus je grandis et plus je m'imagine plus tard peut-être, je sais pas, me marier, avoir un enfant aussi, et voilà quoi, et être heureuse. Et aimer la personne avec qui je suis.
important. Et voilà. Même. Mais en tout cas, niveau pro, je me vois exactement comme je suis aujourd'hui, en fait. Juste que ce sera plus abouti. Plus abouti, ouais. Mais je me vois faire la même chose. Parce que c'est trop bien ce que je fais. Aussi, j'ai oublié de dire un truc sur dans 10 ans. Je me non, vois. Non. Si, nous, si. Nous, on n'a pas le droit de corriger. Ouais, ouais. Vous arrêtez ouais. De corriger si vous voulez. Moi, je m'en fiche. Bah alors, du coup, je disais que au final, non, je rigole. Non, mais je voulais tout ça juste pour ça. Là, ça fait vraiment 17 secondes où on raconte. Bon, c'est bon. Oui. On arrête. En revanche, Lightning, elle est un petit peu envahissante. Je voulais juste dire que je me vois. Bon, on s'en fout. Allez, on s'en fout. Bye. Bisous. La pitié.